chef Rouenet. Bonsoir, Jean-Marc. On a vu tout à l'heure que tu nous as préparé des cailles en crapaudine. Oui. Et donc, maintenant, on va passer à la cuisson. À la cuisson. Bah, ce soir, on va faire des cailles grillées avec quelques prunes du jardin. Donc, c'est vraiment tout simple, un peu de romarin, un petit peu de thym. Donc, c'est des petites cailles d'échalant, hein, de Vendée. Des jolies petites cailles qu'on a achetées au marché de Chaland. Et donc, elles sont vidées. On va tout simplement couper le cou. Et on va les faire en crapaudine. C'est-à-dire pour qu'elles puissent bien sur la plancha, il faut qu'elles soient bien à plat. D'accord. Parce que je me disais, une caille à la plancha entière, comme ça, ça va être compliqué. Donc là, sur le dos, hein, on incise le long de la colonne vertébrale et on va faire sauter tout simplement la colonne vertébrale. Dans un deuxième temps, alors on peut faire ça aussi au ciseau à volaille. Ou avec un bon couteau. Donc voilà. Donc là, il peut rester quelquefois, parfois, des poumons. Donc ici, il y a la petite colonne vertébrale qu'on va retirer. Voilà, donc notre caille. Là, il y a le bréchet également qu'on peut effectivement inciser pour que la caille puisse se mettre bien à plat et on peut même retirer si on veut. L'os. Donc une fois qu'elle est comme ça, on va la mettre en crapaudine. Les petits ailerons, on peut les couper, moi je les laisse. Voilà, et puis on va prendre un bâton de brochette. On va piquer là. On va complètement en biais. Et on va faire pareil de l'autre côté. Tout simplement. Comme ça, notre caille, comme elle n'est plus tenue par les os, elle va quand même être tenue par les pics en bois. Et on appelle ça crapaudine parce que ça ressemble à un crapaud. Ça ressemble à un crapaud, effectivement. Ah ben c'est chouette. Et donc, on fait pareil pour les autres. Et on va faire pareil pour les autres. Très bien. Merci Pierre-Henri. À tout à l'heure. À tout à l'heure pour la cuisson. Plancha relativement chaude, donc mes cailles je les ai marinées avec du romarin, du thym, un peu de miel, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique blanc. Bonne petite marinade à la chiffonnée donc. Oh, toute simple hein. Toute simple, mais bonne quand même. On va baisser un peu la plancha parce qu'elle est un peu trop chaude. Une volaille, c'est toujours côté peau en premier. Comme le poisson d'ailleurs. Donc effectivement, comme c'est en crapaudine, on a un côté avec toute la peau et l'autre côté, c'est l'intérieur de la cage. Donc on va les dorer et puis il va me rester un peu de marinade, mais on la mettra après. Ça sent déjà très bon. Alors on a eu une petite idée parce que ce matin on a cueilli des prunes
Et donc, au lieu de faire des cailles au raisin, le grand classique, eh ben, on va faire des cailles aux prunes. Et donc, je vais dorer mes petites prunes tout à l'heure. Quand les cailles seront un peu plus cuites, j'ajouterai les prunes autour des cailles. Pour la cuisson, il faut compter une bonne vingtaine de minutes, parce qu'en fait, c'est un peu épais et il faut que la chaleur pénètre. On va essayer de les clocher. Alors, je ne sais pas si elles vont toutes rentrer sous la cloche. Il y en a quand même 7. On verra. Très bien. Donc, 20 minutes à peu près de cuisson au total. Oui. Ça fait 10 minutes par face ou... Oui, on alterne, on ne laisse pas 10 minutes. Vaut mieux mettre 5 minutes une face, on retourne, 5 minutes, etc., etc. Bien, à suivre donc tout à l'heure le process. Merci chez Founet. À tout de suite. Bon courage. Hein. Voilà, donc on va retourner une première fois. Ça colore bien avec l'air. Avec le miel. Ouais. Il y en a une qui a plus coloré que l'autre. Donc on va clocher et mettre les prunes. Donc là vous avez vu, elles ont coloré un petit peu, ça c'est le miel. Donc s'il y a un petit peu de noir, et ben on peut après gratter. Hein. C'est, malheureusement, on n'est pas parfait tout le temps. Là la plancha était un peu chaude au départ. Et le miel a coloré. Et le miel a coloré. Là, on voit bien la forme du crapaud hein, finalement. Donc on sait pourquoi ça s'appelle un crapaudine, mais c'est de la caille. C'est la bonne caille de Vendée. Hop. N'oubliez pas. Voilà. On va retirer les herbes qui ont un petit peu brûlé. On va ajouter les prunes. Comme ça, elles ne sont pas venues pour rien. Elles ne sont pas venues pour des prunes. Oula, c'est fort ce soir. Hein. Ah, le jeu de mots. Voilà, les petites prunes du jardin. Là, on va arroser avec le restant de la marinade. Encore un petit coup de cloche, non? Oui, oui. On va essayer de ne pas mettre les mêmes qu'on a mis au-dessus pour que la cuisson soit plus régulière.
Et c'est cloché. Et c'est cloché. On va laisser 5 petites minutes. Et ensuite, on passe au dressage. Oui. Donc voilà. On va débarrasser nos cailles. Là, tu viens juste d'étendre la concha. On débarrasse. Pour les maintenir au chaud. Donc j'ai arrêté la plancha pour les maintenir au chaud. Et là maintenant, on va les dresser. Ils sont bien dorés. Avec les prunes. C'est beau. Ah, c'est un peu un dressage à la campagne. C'est les vacances. Super. Ben on va se réchauffer avec ça parce qu'il fait pas très chaud ce soir. Merci Chef Founet. Merci Jean-Marc. Thank you.